Hello virtual people, ici Café Nuda. Donc on va vous présenter le prochain épisode de la série Si Seulement, qui est toujours disponible sur notre blog ou sur YouTube, mais pour vous faire une spéciale podcast sur... Hey, c'est quoi une podcast? Une podcast. Podcast, alors P-O. Non mais c'est normal que je trouve pas là. Attends, c'est un petit dictionnaire. Un petit dictionnaire, c'est quand même un petit cerveau, t'as jamais rien dedans. C'est, attends, je vais regarder dans la grosse cravate. Alors, podcasting est un moyen de diffusion de fichiers audio ou vidéo sur internet appelé podcast. Par l'entremise d'un abonnement de flux ou de RSS appelé de ce fait. Stop! Arrête s'il te plaît. Arrête ce massacre. On est en vacaciones. Donc, je sais que c'est bientôt la rentrée, mais quand même arrête s'il te plaît. La rentrée! Oui! Car comme disait Victor Hugo, les maîtres d'école sont des jardiniers en intelligence humaine. La rentrée, c'est bien! Mais 24 heures après la rentrée, tu comptes déjà les jours avant les prochaines vacances. Pendant les deux premières heures, tu fais quoi? Tu regardes les nouvelles personnes de ta classe? S'il y en a. Tu regardes la liste des profs alors? Enfin, je pense que le plus important, c'est pas les profs, les élèves. Le plus important, non. On se le dit, c'est les horaires. Tu sais que, comme d'habitude, Yvan est à chier. Mais toi, t'es naïf. Tu crois que ça va être mieux, au moins. Mais non. Je sais pas qui avant ces imposants, mais je me demande ce qu'ils ont dans la tête, ça. Tous les ans, t'as une journée de cours. Avec un cours, deux heures de creux, et encore une heure de cours. C'est comme les mercredis matins où t'as cours 8 à 9. Et après, ils vont se plaindre que les élèves sèchent, tu vois. Alors après, t'as la lecture du règlement intérieur qui... 1. Jamais il ne change. 2. Jamais il est respecté. Ensuite, t'as la première grosse épreuve, le prof principal. Alors, dans ces cas-là, il est environ 10h. Il est depuis 6h du matin, t'es blasé de part qu'une semaine avant à 6h du matin. Tu ne te réveillais pas, mais tu t'endormais. Tu commences à découvrir tes profs un par un. J'avoue que pendant ces premières heures de cours, film sur Arte allemand, sous-titré grec. C'est très instructif, Arte, je trouve. Mais évidemment, toi, tu kiffes sa crotte. Non, c'est Socrate. Mais on s'en fout, tu lis sa crotte à Socrate. Enfin, vous savez, à l'école, on se fait de nombreux amis, on voit moins ses parents, on apprend des tas de choses, on prépare son avenir, et on peut même rencontrer l'amour de sa vie. Tu veux aller gote ou je le fais? Non, mais l'école, quelle joie d'avoir des devoirs. Mots à faire signer, des heures de colle, des punitions, des leçons à apprendre, des conseils de classe. Je pense qu'il n'y a pas pire que la réunion parent-prof. La réunion parent-prof, c'est comme un match de boxe en 3 étapes. Phase 1, le professeur attaque. Non mais là, ça ne va pas du tout. Votre enfant passe plus de temps à écouter les oiseaux que mes leçons. Il est complètement dans la lune quand il vient dans mes cours. Il faut trouver une solution. Phase 2, l'élève tente de se défendre. C'est normal maintenant que je vous écoute pas, quoi. Vous êtes aussi marrant qu'un album de Camaro. Et enfin, en phase 3, tes parents finissent par t'achever. Non, mais vous savez, madame, il est un petit peu perturbé. Il a arrêté le biberon à 10 ans. Et la veilleuse, la nuit, il l'a stoppé à ses 12 ans. En fait, les seules choses utiles à l'école, c'est qu'en primaire, parce que t'apprends à lire et à écrire pour aller sur internet, et puis à compter quand tes parents te donnent de l'argent de poche. Ah, bah quand même! Je m'en fiche qu'on m'empêche de m'exprimer, car c'est dans le silence des lois que naissent les grandes actions. Rattache-la. Je suis désolé, mais on n'a plus de batterie, donc sorry. N'oubliez jamais, entre nous, que la rentrée, c'est bien, mais les vacances, c'est mieux. A très vite. Baissier. Sous-titré grec. C'est très instructif. Arte, je trouve. On prépare son avis. C'est très Oh non, mais elle merde, elle casse tout. Elle fait pas grand chose, mais elle buzz. Une des hantises des élèves. Les retards. Faut toujours avoir. Sous-titre grec. C'est très instructif. Oh putain. Oh la elle vache. Elle va nous tuer la mémoire. Vous êtes aussi marrant qu'un album de Camaro. Heureusement que je suis patient. Je sais qu'à force d'attendre, ça viendra. Ça va plus loin que la passion. Même si je le montre pas, je veux vivre de ça.